justement pour avoir la chance, pour éliminer les malédictions, mes abonnés qui souffrent toujours de ces problèmes, voilà, qui souffrent vraiment, ces problèmes ne se ressentent pas, et rien du tout, tout ce qu'ils vont toucher là. Vous savez, quand ces choses-là arrivent là, ça fatigue beaucoup. Tout ce que tu vas toucher, ton bien là, tout va partir. Ça va se désespérer comme ça. Tu te demandes, mais je fais quoi? Tu n'as rien fait. Voilà. Tu n'as rien fait, mes abonnés. Donc, cette recette-là, ça va donner comme ça se passe, mes cœurs. Ça va vous remonter. Ça va vous éliminer les négatifs. Les négatifs qui vous fatiguent là, ça va partir, mes abonnés. Donc, c'est très important avec cette recette, mes amours. C'est très bien, ça aide beaucoup. Ça remonte les positifs. Ça donne vraiment les positifs avec nous, mes abonnés. Donc, vous aurez besoin de quoi, mes abonnés? C'est très simple, mais je vous assure. Allez-y faire, mes abonnés, vous allez venir. Désenvoûtement, malédiction, pas de sens. Tout est bloqué. Tu ne ressens pas rien du tout. Tes activités sont vraiment calées comme ça. Tu te demandes, voilà, toi qui étais brillante là, mais vraiment, actuellement, tout est parti comme ça dans l'eau. Va faire ce recette, tu vas venir pointer mes abonnés pour avoir l'ouverture du bonheur, pour éliminer tout ce qui fatigue la vie de l'homme. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu as besoin de l'eau de la mer. Va chercher l'eau de la mer dans ton bidon, comme vous le voyez mes abonnés. Voilà, 1 litre, mais une bonne quantité de l'eau de la mer, voilà. Tu prends ça, tu ajoutes, voilà, les soufre, on appelle ça soufre jaune, vous le voyez, non? Voilà, je vais montrer, vous allez voir le nom, voilà, on appelle ça soufre jaune. Vous le voyez mes abonnés, c'est soufre jaune, le poudre là. Tu vas faire ça en poudre. Si tu gagnes poudre aussi, tu ne vas pas écraser. Donc ça, ce n'est pas poudre, c'est les cailloux. Tu vas écraser en poudre le soufre jaune là. Tu vas mettre ça dans l'eau. Tu mets un peu de ça aussi dans ton eau là, de l'eau de la mer. Tu aurais besoin de quoi? Je vous assure, c'est très bien. Quand c'est bien, c'est avec vous, on va partager. Vous aurez encore besoin de parfum. Parfum Saint-Michel, parfum qui donne la force, parfum qui aide, parfum que ça ne doit pas finir dans, avec nous à la maison, mes abonnés. Tu as besoin de ça, tu verses ça aussi dedans, le parfum, une quantité vraiment normale. Tu verses ça, tu vas aller reposer ton eau là, pour quelque part, pour 3 jours. D'après les 3 jours, chaque soir, tu vas prendre ton seau, tu ajoutes de l'eau dedans. Tu vas te laver d'abord avec le savon. Quand tu finis de te laver avec le savon, tu prends ton eau là. Tu viens, tu ajoutes l'eau que tu as mélangée pour 3 jours. Tu mets ça un peu dedans. Tu vas aller te laver, tu te rinces avec ça. N'oublie pas de parler les vœux que tu veux, mes abonnés. Il faut parler les vœux. Dieu connaît ce qui est dans le cœur. Mais toi aussi, il faut parler. Voilà. Il faut parler les vœux de malédiction, les vœux d'envoûtement qui te fatiguent vraiment. Tu parles avec l'eau, tu vas aller te laver ça pour le soir avant d'aller te coucher. Tu fais le bain là pour 7 jours. Chaque jour, tu fais le nouveau là. Tu prends le seau, tu ajoutes de l'eau, tu émets un peu. Tu te laves jusqu'à 7 jours. En te lavant, tu n'as pas besoin de rencontre de l'homme ou de rencontre de ta femme. Chaque jour, tu te laves comme ça avec l'eau sans savon, l'eau là. Quand tu vas finir, tu vas attendre l'eau va cesser au corps avant de sortir de la toilette. Tu vas faire ça, mes abonnés, 7 jours successivement et viens pointer.